Ici, ça fait deux choses. Un artefact, plus ce pouvoir-là. Donc, très bien. Ça recharge bien. Ils sont pratiques. Comment j'y accède là déjà? Ah mais non, oh là là, faut que je fasse le tour. Hein, c'est bien ça, hein. Je fais le tour, oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, on se recharge complètement. Ah, je les ai oubliés, eux. J'ai même pas eu en anti. Ici j'avais déjà tout fait, je pense que c'est sûr. Je l'avais même pas fait. Ah, il y a un mur à casser ici? Oui, effectivement.
Hein? Souffre. C'était celui-là. On revient à cette salle-là. Bon, je pense qu'il n'y a rien de spécial ici. Non. Ok, donc on est revenu ici et on y va de toute façon parce que le reste je pense que c'est bon. Hein. Je crois que cette zone là, bah normalement quasiment tout est fini. On verra. Allez, on retourne dans les zones chaudes. Les magmeurs. Alors ici, c'était où qu'il fallait aller déjà? Ah oui, c'est là, d'accord. Anomalie. Je sais. J'ai réussi à l'avoir. Souvent il m'embête.
toi. Ah, ça change tout avec la glace, hein. C'est vrai que c'est une zone là. Alors. Hein? Un artefact. Artefact de la zone. Trouvé. Artefact de la nature, le 8ème des 12. Donc c'est lequel? Ah ouais, d'accord, celui-là. Ça avance, hein. Bon, je suis venu ici, c'est pas mal. Bah attendez. Non, c'est pas tout le temps le cas. Là, je parie qu'ils vont me mettre les ennemis. Ah, ils me mettent eux. Tenez. Ah. Ok. Mais il esquive trop bien. Bon, c'est une grande pièce. Alors attendez, faut que je calcule mon coup là. Voilà. Ah, il y a du temps. Je l'ai oublié. Bon, en tout cas, on a fait... Il fallait faire, je pense, aussi. Maintenant, faut remonter. Ah, le radioscopique, ça change tout. Hein. Où les missiles? Ah, il y a eux déjà.
Non, ok, bon bah je vais monter, on va voir. Parce que pour une pièce comme ça, on sait jamais. Même si je crois qu'on avait déjà tout, hein, de toute façon, dans la pièce. Tout avait été analysé ici. Okay. Bon, c'était quelque chose que j'avais déjà fait, mais je me dis là avec le viseur, c'est peut-être différent encore. Je me souviens plus. Ah bah si, 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 j'avais eu un. Je crois que c'était un artefact. C'est normal, j'avais déjà fait ce qu'il fallait. Mais par contre, il y a un truc que j'ai pas fait. Voilà. Parce que j'avais pas le pouvoir. J'ai bien fait d'y aller. Donc là, ils vont nous remettre en bas de la structure, c'est ça? Bah, c'est en arrière que je dois aller, de toute façon. Le ciblage. Thank you.
Ça, c'était pour retourner où? Ah oui, alors ici, bon, je sais qu'il faut passer à côté, mais... ici. Changement d'arme. Donc c'est là. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir monter tout en haut, parce qu'avant je pouvais pas. Et j'en vais faire. Ah, j'ai peur. Voilà. Montons comme ça. Bah non, en fait, faut que je monte direct. Comme ça. Bah non. Ah. C'était une histoire de grappin. La musique. Il est plus long celui-là. D'accord. Ah. C'était un normal. On est monté ici, on continue. Ah, ok. C'était la bombe. Hein? Ah oui, non, c'est bon.
J'ai eu peur. J'ai cru que j'avais fait une bêtise. C'est la partie dangereuse, hein. Fais attention avec son bouton. Tu tombes, tu recommences. Là, il nous autorise. Ah non, d'accord, c'est juste pour ça. Ouah, ça faisait peur. Non, ça va. C'est bon. Wow. Ok. Les trucs où t'as pas intérêt de tomber, quoi. T'arrives en haut. Rayon plasma. Ça change tout. Le rayon plasma. Stylé, hein, le rayon plasma. Bon, bah, on a réussi à l'avoir. Je suis content. Maintenant, je fais quoi? Bon, il y aura plein d'autres endroits où je dois aller parce que. Est-ce que je vais dans Fendrana? Parce que là, de toute façon, je crois que j'ai fini la zone de Magmor. Hein. Ouais, je vais aller en Fendrana. Ou je retourne dans les runes, mais non, je pense que je vais continuer. Je reviendrai de nouveau dans les runes parce qu'il y avait un truc avec la porte rouge. Là, il vaut mieux aller tout droit, de toute façon. Ah oui, non, peut-être qu'eux sont immunisés là, contre ça. C'est du plasma. Alors vous?
les ai battus. Eh ouais. Il y avait un truc en fond. Ouais, il y avait quelque chose au fond. Pour aller où? Ah, le secteur ouest des mines. D'accord. Je vais voir. Je vais voir. C'est vrai que les mines, c'est dur. Le secteur ouest. Ah ouais, waouh. De toute façon, faut que je le fasse, hein. C'est les mines, hein. Allez. Puis ça m'a pas dit où est-ce que je devais aller pour le moment. Donc je fais les mines, et si ça me dit qu'il faut que j'aille... Si, je peux. Ah, il y avait un endroit à un moment donné où je pouvais pas aller parce que j'avais pas le grappin dans les mines. Je sais pas s'il est mort. Oh, ouais. Ah là, ce genre d'endroit, c'est à fond les pirates de l'espace, hein, de toute façon. Et il y aura plein de choses à analyser. Donc on va faire étape par étape. Ah, lui, celui qui m'attaque, il est là, c'est un rouge. Tiens. Non, c'est le jaune qui m'attaque. Tombe dans les radiations, ça me vend. Mais non. J'ai eu peur. Ok, si je l'ai fait tomber dans les radiations, c'est bon. Ouais.
Ça me dit d'aller là. C'est un vol. Ça, c'est pour remonter si j'ai besoin, c'est ça? Tourelle. Je peux pas ici y aller encore, j'ai pas encore la combinaison. Donc en fait on m'oblige à aller dans l'autre porte en fait. En fait je sais pas si après... Oh là, non, ok, ok. D'accord. Ah oui. Ok. Ça va être là. Je me rappelle. C'est bon. Ah là, je reviens du coup à des endroits que je connais. Il y a ici où j'ai pas été. On va pouvoir y aller. Tontou. Mais par contre, c'est dur hein, ici. Hein. Quoique avec cette arme là, c'est plus aussi dur que ça.
Alors ici, je peux, mais c'est pour changer d'étage. Là, c'est... Ah, quoi que ça me ferait monter... Mais là, non, là, je vais quand même aller au bout. J'ai envie de voir ce qu'il y a, en fait. Donc là, il faut que je monte. Ça va être la guerre. Les informations, j'avais déjà pu. Ah oui, non, pas ici. C'était quoi déjà ici? Il y a un truc. Faut que j'arrive à résoudre le problème de cette salle, en fait. La ventilation fonctionne à une puissance minimale. Il fonctionne à pleine puissance lorsque le système d'aération sera activé. D'accord. Mais j'ai jamais compris le truc. Allez mes copains, venez. J'attends. C'est des violets. Ok. Voilà, il va rester lui là. Ah, ils sont deux. Non bah c'est bon, y'a rien d'autre. On continue. Oula. Oula là. Ah oui d'accord. Carrément. Thank you.
que je me réhabitue à combattre les élites. Oh non! Je sais ce qui m'attend ici. Allez. Ah non, c'est des comme ça. Ah non, c'est des blancs. Bon, je vais aller sauvegarder, mais ils vont me faire du coup les réaffronter, ça se trouve. Non, ça va. Je pensais qu'il me ferait le coup. Putain, il tire fort. J'aurais dû faire gaffe. Il y a des métroïdes. Les cramer. Les faire sauter. Ah oui, c'était là où je pouvais pas passer avant. Bah là, ça va changer la donne. Voilà. C'était ça. Je me disais, mais comment je fais pour y aller, moi? Thank you.
Mais je suis arrivé de là. Et là, je m'y perds à force. Voilà. Donc on peut ouvrir la porte ici. Et c'est pour aller où? L'accès au niveau 3 des mines. Ça sent pas bon ça. C'est dangereux les mines. C'est un quelle couleur lui? Normal. Je fais classique. Ça me paraissait bizarre cette structure là, mais... Ça, ça me rappelle un endroit, c'est bizarre, mais non, je suis jamais venu. Ah ouais, il va y avoir les métroïdes qui chargent un peu partout. C'est bon. Bon bah les radiations ils sont tranquilles. Ça. Bon, il ne reste plus qu'à remonter. Il faut que je recommence. Le chemin. Ah. Ah oui, d'accord.
Faut bien les gérer, eux. Il revient pas ? Si. Ok. Et il y avait autre chose, hein, j'ai l'impression, non ? Ah oui, mais j'ai pas le pouvoir. Oh non, il y en a plein. Est-ce qu'on peut les glacer? Oui. C'est rapide. Bah oui, hein. Donc là, il y a deux chemins. Il y a là-bas. Et il y a la porte du haut, c'est ça. Bah, je vais commencer par aller de l'autre côté. Oh, j'ai eu peur. T'as craigné, hein. Bon, ça va. J'ai bien fait d'y aller. Ah, c'est que les missiles. Oh non. Bon, ça va, ma santé, mais quand même. Ils auraient pu être plus cool. Oh non. Yeah.
Bon, que je revienne en arrière. Voilà. C'est chiant. Hein. Ah oui, d'accord. Il est arrivé à esquiver, hein. On va s'occuper de lui alors. C'est bon. Et attends. Je vérifie. J'ai un souci de distance. Du coup, j'ai pas fait gaffe. Oh, deux fois. Voilà. J'avais même pas analysé. Les verrous de sûreté ont été désactivés. Ok.
Ah, c'est un gelé. De nombreuses failles ont été observées sur ce puits en cordite. Alors la cordite, je sais pas avec quoi je la casse. J'ai peut-être pas encore... C'est ça. Il veut pas... Obligé de faire la boule. Alors, les résultats de tests effectués sur les systèmes d'absorption du pirate Omega sont disponibles. Oh, je vais bientôt l'affronter, lui, je crois. Nos expériences ont révélé que ce système est très résistant aux tirs de rayons. Nous devons toutefois admettre que son impuissance face aux missiles. L'équipe scientifique travaille nuit et jour pour corriger ce défaut de conception. Le pirate Omega ne peut se permettre d'avoir ce type de faiblesse. Ok, rapport des pirates, décodage, 11 et quelques. Tandis que nous continuons à observer l'évolution des pirates d'élite du programme Hélice, il semble de plus en plus évident que ces guerriers concourront à la gloire des pirates de l'espace. Leur résistance ainsi que leurs armes variées et sophistiquées qu'ils manient à la perfection sont toutes bonnement impressionnantes. Ils constitueront la clé de voûte de nos forces terrestres. Bien que leurs réflexes soient moins développés que ceux des pirates de l'espace, la différence reste subtile avec une division de pirates d'élite en fer, de lance et une armée composée de pirates ordinaires et de pirates volants. Nous disposons d'un front quasiment indestructible et très dissuasif. Tu m'étonnes. Les données indiquent que l'espérance de vie des pirates Oméga est extrêmement courte. Une exposition à de fortes concentrations de phasons provoque une dégénérescence cellulaire quasiment immédiate. Dans nos simulations, aucun sujet n'a survécu plus de 2 dégâts cycles. Pour amortir les coups, nous devons impérativement trouver le moyen de prolonger leur durée de vie. Je me suis fait toucher. Unité de sauvegarde. Ça y est. Alors, je regarde c'est quoi la suite. Après... Ah bah, il n'y a plus grand chose. Après, oui, ça va me demander de revenir ici et de rebouger. Soit de revenir au Magmor, soit de continuer la caverne et de faire autre chose. Ok. Ah, ici, il y avait un truc que j'ai pas fait. Ou alors, il me manquait quelque chose. Hein. Ah bah oui, si, si. C'est normal. J'ai pas le pouvoir d'y aller. Ok. Bon, bah allez, je vais m'arrêter là. Déjà, ça fait pas mal de... Ouais, 2 heures, c'est bien. Allez, merci à tous. Du coup, c'était un gameplay très sympa. Je vous remets en caméra normale, voilà. Donc, prochaine fois, bah, du coup, on va continuer, bien sûr, d'avancer un petit peu. Donc, peut-être que je retournerai, que je sortirai des mines, parce que je pense avoir fini, parce qu'après, il va falloir que je trouve le pouvoir pour résister aux radiations. Donc, on va voir où est-ce que ça nous mène. Merci à tous d'avoir suivi ce gameplay. Merci pour vos j'aime et vos abonnements, et je vous souhaite une belle soirée. Bisous tout le monde, merci beaucoup.